Bonjour tout le monde, bienvenue sur News Eli. En fait, ça a gagné plusieurs jours que gagne une manifestation qui t'emmène dans le pays Canada et c'est surtout gros camion et cap fait manifestation ça. Eh bien, événement ça yo gagne des impacts majeurs sur les États-Unis côté que administration Biden n'a pressé mandé Trudeau faut qu'il agisse pressé puisque manifestation ça yo. Eh bien, il a affecté un pile secteur, notamment et secteur et compagnie qui a fait machine. En fait, il y a plusieurs là qui mettent des mains en tête. Il y aurait les envoyés. Il y aurait même campé. Par contre, si vous pensez, avait dit que ça nous aurait un shortage de supply. Supply chain problème qui, en fait, on dit de temporaire, mais qui poussait. Il y a des compagnies américaines là qui fermaient, qui obligeaient camper. Parce que normalement, on a parlé avec vous là, et plusieurs points névralgiques, des séries de ponts qui reliaient le Canada avec les États-Unis, et bien, manifestation ça a bloqué. Les bloqués, et bien, autorité pas bon ici, dit Canada, pressé, l'important pour utiliser le pouvoir fédéral pour mettre fin avec le mouvement ça. Il dit Trudeau dégage pour camper manifestation ça puisque ça nous tarer les autoplantes en fait des deux côtés comprennent bien c'est à la fois le Canada et les États-Unis qui victimes au niveau commercial puisque en pile la compagnie ça obligé fermer en fait là dedans il y a un peu qui ralentit production mais il y a qui ferme donc trucker ça yo. Justement, en fait, d'abord rappelons que y a manifesté sous des mesures qui t'apprend, qui dit que, eh bien, conducteur de camion qui a sorti Canada pour les États-Unis et vice versa, eh bien, il t'a supposé vacciner. Eh bien, nous dit pour le moment surtout plusieurs compagnies qui ont fait production de machines par ici. Yo nan tête chargé. En tout cas, gagné la Maison Blanche par l'intermédiaire de Homeland Security Alexandre Mayorkas et ministre de la Transformation, non, ministre de Transportation par ici, nous voulons parler de Peter Buttigieg qui parlait avec justement contrepartie vis-à-vis Canada qui dit yo s'il vous plaît, pressé en nous résoudre problème ça. Federal Public Safety Minister Marco Mendiso Royal Police Canada yo voye yo sous zone Windsor Ottawa sous frontière là sous cause ça et tout doit faire une réunion virtuelle jeudi que ce passé là il t'ai parlé avec magistrat zone non pas magistrat zone ça il était obligé de déclarer état d'émergence tellement ba yo grave Trudeau jusqu'à présent dit lui-même il va être tout capable mais tout dit il peut qu'on prendre dernière décision pour t'envoyer l'armée dans zone ça pour t'a débloquer pont qui relie surtout le Canada et les États-Unis à ce propos Fandou bah là il y a un pile state là parce que you got en faire ça d'arrêter les des pages de donation pour groupe moun sa yo GoFundMe particulièrement qui shut down et en pile plusieurs millions qui t'ai gantan et prend pour aider moun yo continuer mouvement là gen en pile state en fait incroyable mais vrai qui dit au même yo va investiguer GoFundMe pour être li bloquer pour être li bloquer mouvement que t'as fait pour bloquer en fait pour rassembler cob pour chauffer camion sa yo cap manifester et bagarre la commencer prend une dimension qui en dit inacceptable dans le moment que n'a parlé là. Faut que nous préciser que mouvement camion ça est bien li menacé pour li dupliquer, pour le reproduire dans plusieurs côtés notamment gagner pas bon ici aux États-Unis plusieurs camions qui préparé pour bloquer plusieurs villes dans même sens ça. C'est pareil tout pour des pays de l'Europe côté que dit on va laguer dans même mouvement. Je dis dans week-end ça nous capable et trafic qui ca bloqué pendant
aux environs de Super Bowl là. Et on parlait de Washington, gon marche pour State Union Address et sous même en fait dans même sens ça tout. Et donc nous voulons dire que et industrie automobile là a déjà gagné un problème en matière de ça nous les chips avec une matière première pour joindre était déjà à deal avec problème pareil. Maintenant ça va dépendre de en fait autorité et au palais dit ça va dépendre de pour combien de jours bah ça va continuer. Impact là c'est que machine yo nous et que journée jeudi à même machine deuxième main qui presque vend 10 fois la valeur, il est clair hein. Clair, presque 10 fois la valeur par rapport à Jean pour t'acheter normal. Mais yo avait dit que prix yo capable augmenter plus suivant tant que mouvement ça continue. Les gens sont doux là et il y a plusieurs compagnies tant que Ford, General Motors qui dit au même yo grand diminuer sous production yo. Parce que ça vous comprendre mathématique là simple non a pas acheté livre dit que et au fur et à mesure que produit production a diminué et il pas tellement disponible et impact là c'est que prix a pral augmenter son mathématique simple en économie depuis offre là mon cap produit a gain moins donc il gain impact sur prix aussi simple que ça. Et Maison Blanche dit lui-même dans moment là la monitorer situation ça et justement yo get up en fait en pile gros négociation a fait et pour qui j'en ou ta résoudre li facilement. Maintenant ça pour comprendre dans cause ça c'est que en pile moun yo fatigué. OK? Et c'est ça pour nous comprendre là. En pile monde dit c'est assez et yo pensez que yo subi restriction yo pendant bon valet temps et que yo dit clair moment arrivé pour yo vivre yo pas décidé d'en causer restriction exigence. OK, si pour yo faire tel bagage faut que yo vacciné moun yo dit de tired yo pas capable encore. Donc c'est ça pour nous comprendre qu'à vivre là. Et d'ailleurs, et mouvement j'en ai dit et skit state républicain, skit state démocrate, ils tout commencé à éliminer barrières. New York prend ni, ils dit pas dans cause masque, plusieurs autres côtés. Moun yo veut vivre. Maintenant, la Maison Blanche jusqu'à présent qui ont ti gens qui toujours a dit faut prendre précaution, on pas ca ouvrir contre trop. Son façon pour ta couvrir tête, yo pour si bala ta vin empirer. C'est ça qui a passé là. Mais il est clair que un peu partout moun yo di yo bouke nan cause restriction, il est le temps pour yo tout en fait, il est le temps pour que tout bagay redémarre normalement. En fait, c'est li nan nature humaine. OK? Et dit l'idée pour vivre sans aucune restriction c'est dans la nature humaine tout simplement. OK, c'est ça qu'a fait et dans moment n'a parlé n'a rappelé que mouvement ça qui gain en fait qui commence depuis un bon bout de temps je crois depuis le 28 janvier qu'a continué là effectivement et si pas gon ralentissement alors là nous met attendre que en fait nous autres entendu monde qui va l'acheter et plusieurs en fait nous parler de machines mais on bon l'autre produit encore puisque là on parlait de le Canada et les États-Unis c'est pas syncope non en matière de transactions qui fait sur route ça par jour c'est des millions de dollars par jour qu'on évalue en matière de transactions qu'a fait sur passage ça en fait on connaît que si tout pour trois pays ça les États-Unis le Canada et le Mexique. OK. Donc c'est un pile cob qui brasse. Mais nous avons oublié c'est pas que on pile mon non en mouvement. Mais pas oublier que ils utilisent des engins lourds. C'est des camions. Donc qui occupent espace. Donc effectivement ils ont une capacité pour bloquer justement
transaction entre le Canada et les États-Unis. Mais jusqu'à présent, on est clair pour ça. Yo pas crise, yo pas crasé, yo pas brisé, yo pas boulé caoutchouc, yo pas crasé en quel côté. Et il faut souligner ça pour tout le monde. Mais yo vraiment, bien que yo pas fait ça, mais ça yo fait, c'est comme un impact sur l'économie. Yo impacte beaucoup plus si on a parlé de crasé brisé. Ok? Donc voilà, et yo bagay kap fait au Canada et qui prend une dimension la multinationale. Dans le sens que US Auto Factory là, yo met deux mains en tête, yo dit pressé résoudre problème ça parce que yo obligé fermer des plans de production. Donc nous autres nous pensons que justement c'est important pour nous update sous situation ça.